Tu peux nous laisser maman, s'il te plaît? Je ne bougerai pas d'ici, Ruana. Franchement, cette histoire de... J'ai déjà parlé à ma femme, c'est du pipeau. J'ai entendu ça tellement de fois. Désolée, monsieur. Je n'ai absolument pas besoin de mentir. Je n'en suis pas si sûre. Tout ce que je sais sur vous, c'est que vous avez une famille. Vous êtes le patron de ma fille et je ne vous laisserai pas profiter des sentiments qu'il a pour vous. Fais-moi confiance, maman. Je te fais confiance, chérie. Mais je ne fais pas confiance aux hommes et à leurs histoires. Écoutez, je vous promets... Non, pas de promesse. Maman, je vais être en retard, il faut que je m'en fiche complètement. Je voudrais que ce soit bien clair. Ma fille n'est pas toute seule. Et nous sommes peut-être gentils, mais on ne se laisse pas faire. Je le sais. Je le sais parfaitement. C'est pour ça que je suis là. Maman, écoute ce qu'il a à dire, au moins. Très bien, Ruana. Mais n'oubliez pas, je vous ai à l'œil. Et tant que vous n'arriverez pas dans cette maison avec un papier à la main, un papier signé et tamponné, qui atteste que vous êtes divorcé, vous serez toujours un homme marié. Tu ne veux quand même pas laisser la voie libre à Ruana? Qu'est-ce que je peux faire? Mauricio a dit qu'il avait des sentiments pour elle. Il doit y avoir un problème. Cette fille, ce n'est pas une femme pour Mauricio. Je ne sais pas, il peut vouloir l'aider peut-être, mais l'aimer. J'ai fait tellement de sacrifices pour rien. Carlotta, non, on ne peut pas abandonner comme ça. Je suis avec toi dans cette bataille. Je ne laisserai pas cette fille mettre un terme à ton mariage. Tu as raison. Tu as raison, je me laisse aller, c'est n'importe quoi. Mauricio est un grand homme. Il est candidat à la mairie, Ruana n'a rien à voir avec lui. Exactement, ma chérie. Très bien. Ça, c'est la Carlotta que je connais. Oui. Je vais me battre pour mon mariage, mais... Désirée, tu dois me promettre que tu ne diras jamais à Mauricio qu'il y a... qu'une femme est enceinte de lui. Ce serait horrible, ce serait encore un coup dur pour mon mariage. Ne t'inquiète pas. Je te promets de tenir ton secret. Et je ne dirai pas non plus qui est cette fille qui est enceinte de lui, promis. Même si je ne le sais pas. Tu ne sais pas, hein? Non. Non, bien sûr que non, je ne le sais pas. Mais je pourrais dire à Mauricio que toi, tu sais qui c'est. Oh, mais ne t'inquiète pas. Je ne vais rien dire du tout. Du carton? Ouais. Ouais, en fait, il y avait du jeu entre la jante et le pneu. Et la façon la plus rapide de le colmater, c'était avec du carton, je t'assure. Avec du carton, mais c'est n'importe quoi, Nicolas. Tu sais très bien qu'on ne fait pas de bidouillage ici. On répare ce qui doit être réparé. Ouais, je sais. Désolé, Manolo. Et tu ne l'as pas fait payer? C'était pas la peine, le pneu était bien. Mais non, Nicolas, c'est n'importe quoi. La jante avait peut-être un problème, c'était peut-être dangereux. Ici, notre truc, c'est de faire la révision gratuitement. Et s'il y a quelque chose qui cloche, on répare la voiture et on fait payer. Je ne comprends pas, c'était ton idée. Pourquoi tu fais ça? C'est juste que je trouvais pas ça important. Mais c'est important, Nicolas, c'est important. La prochaine fois que tu trouves un problème sur une voiture, tu m'appelles. C'est moi qui m'en chargerai, compris? Bonjour, je vous dérange? Sache qu'on n'en a pas terminé. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, Petra? Quelle surprise! Piranha! Piranha, calme-toi, d'accord? Il faut que tu réfléchisses bien à ça. Tu peux pas simplement entrer au club et tirer sur madame. Pour commencer, tu pourras même pas rentrer dans le club. Ah bon? Et qui va m'en empêcher, hein? Je te le demande. Toi, peut-être? Ou toi? Ou vous tous, c'est ça? Qui? Qui va m'en empêcher? Qu'est-ce qu'il y a, Piranha? On est tous avec toi? Ouais, vous êtes peut-être tous avec moi, Kiké. Mais personne n'est vraiment avec moi, aucun d'entre vous m'entendez? Parce que j'ai jamais eu besoin de personne pour faire tout ce que j'ai fait. Parce que tout ça, je l'ai construit tout seul. Alors ni l'ombre, ni vous, n'allez me dire ce que je dois faire ou non, comprenez? Calme-toi, Piranha. Non, je vais pas me calmer, Charlie. J'ai vraiment pas envie de laisser passer ça. J'ai pas envie de me calmer. J'ai pas envie parce que personne ne doit me dire ce que je dois faire. Et encore moins quand en plus on prend mon argent. Vous comprenez? D'accord, d'accord, d'accord. Mais s'il te plaît, Piranha, pose ce flingue. Voyons voir, on parle de combien d'argent, juste?
5% de tous les profits. 5% de tous les profits. Je me fais 10 fois plus que ça en restant seul dans mon business. Ça m'intéresse pas du tout. Tu n'as pas l'air de comprendre. C'est soit ça, soit rien. Tu creuses ta propre tombe. Non. Non, madame, vous vous trompez. Ma tombe a été creusée le jour même où j'ai décidé de faire ce business. Mais vous pouvez être sûr d'une chose. Vous ne serez pas celle qui la fermera. Je crois que tu ne penses pas à tes sommes. Qui ça? Eux? Je suis sûr de trouver de meilleurs rats dans les égouts que ces deux-là. Réfléchis bien. L'ombre n'apprécie pas du tout la compétition. Et toi, tu n'es qu'un parasite pour ce cartel. Ah bon? T'as pas compris que je voulais pas qu'on me dise quoi faire, Willy? Hein? Non! Qu'est-ce qui te prend, toi? Hein? Tu sais pas que c'est plus ton petit ami? Tu l'aimes plus, c'est fini! Calme-toi, s'il te plaît, Piranha! Mais je suis très calme, Lily! Je n'ai jamais été aussi détendue! Et en plus, je comprends beaucoup mieux certaines choses maintenant! Très bien! Tu veux tuer, madame? D'accord, allons-y maintenant! On va t'aider, c'est compris? L'un d'entre vous est un traître, je le sais. Vous avez entendu, l'un d'entre vous est un traître. Je le sais. Je le sais. Hein? Je le sais. Je n'ai pas l'intention de faire du mal à Ruana. Depuis que je la connais, je l'ai toujours soutenue et aimée. Oui. Et en échange de quoi? S'il te plaît, maman, tu es pire que grand-mère. Laisse tomber, je m'en occupe. Tu dois réfléchir avec ton cerveau, Ruana. Surtout pas avec ton cœur. C'est tout ce que j'ai à te dire. À vous, Jean. Non, Mauricio, non. Je croyais que ça me rendrait heureuse, mais en fait, j'ai l'impression d'être la pire femme du monde. Pourquoi? Je suis simplement honnête avec toi, Ruana. Je voulais te montrer que j'étais très sérieux. Oh non, je n'ai jamais voulu qu'un mariage soit brisé par ma faute. J'ai toujours pensé que les mariages duraient toute la vie. Mais regarde-moi. Quand je me suis marié, Ruana, je pensais que ça allait durer toute la vie. Et tu sais ce qui m'est arrivé? Je suis tombé amoureux. Amoureux de toi, Ruana Pérez. Siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas. Contigo siento el valor. Luchar si vale la pena. No siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre. Y amanecer. Non, Mauricio, non!
Non. Qu'est-ce qu'il y a, Juana? On ne peut pas l'éviter. Non, non, je ne peux pas l'éviter. Mais cet amour me paralyse complètement. Je ne veux pas que tu me le promettes. Je veux que tu me jures sur ce qu'il y a de plus cher pour toi, que tu ne diras jamais à Mauricio qu'il y a une femme enceinte de lui. Carlotta, crois-le ou non, mais ce que j'ai de plus cher, c'est notre amitié. Fais-moi confiance. C'est juste que tu as vu tout ce qui se passe en ce moment. Oui, mais Juana n'a strictement rien à voir avec la fille dont tu m'as parlé, n'est-ce pas? Non. Non, bien sûr que non, mais c'est que... J'ai l'impression que Mauricio est complètement perdu. Et très stressé, je ne comprends pas. Je ne peux pas vivre sans lui. Si Mauricio me quitte à cause de Juana, je mourrai. Mais arrête. Tu sais très bien que Juana ne sera jamais à la taille de Mauricio. Peut-être, mais il a quand même craqué sur cette fille. Je dois faire quelque chose. J'aurais dû faire quelque chose dès que Juana a commencé à faire son intéressante, en fait. Il faut que je prenne une grande décision. Tu m'as menti, Mauricio. Tu m'avais dit que ce serait notre dernier baiser, la dernière fois. Je ne t'ai pas menti. Je me suis menti à moi-même, c'est surtout ça. Parce que c'est toi que je veux. Juana, il fallait que je parte de chez moi. C'est le premier pas. Je veux être avec toi. Je n'ai rien demandé. Juana, je ne peux pas dire que je suis un homme honnête si je me mens à moi-même. Et même si tu me rejettes, ça ne me fera pas retomber amoureux de Carlotta. Tu vois comme il nous regarde. On ne peut pas être vus ensemble. Je m'en fiche. Juana, je n'ai absolument plus rien à cacher maintenant. Tu n'apprends pas de tes erreurs, on dirait. Tu me dois une faveur, c'est pour ça que je suis venu. Carlos ? Je t'ai apporté le petit-déj. Carlotta, fais bien attention à ce que tu vas faire. Ça pourrait empirer les choses. Je sais. Mais rien ne pourra jamais être pire que de me réveiller seule dans ce grand lit et de penser que Mauricio est avec quelqu'un d'autre. Je te dis simplement de bien réfléchir avant de faire n'importe quoi. Ce cauchemar va prendre fin. Désirée, laisse-moi faire. Je suis désolée, Carlotta, mais tu ne devrais pas y aller dans ton état. Tu vas faire quoi? Je vais faire ce que j'aurais dû faire quand j'ai rencontré Juana. Tu sais que je suis la femme de ta vie. Petra, ne rends pas les choses plus compliquées. Compliquées? Je suis venue te voir pour te montrer que je me fiche de ce que tu as pu faire. Et c'est moi qui complique les choses? C'est toi que je veux, Manolo. Tu ne comprends donc toujours pas. Petra, c'est plus compliqué que ça. Tu le sais bien. Écoute, je ne veux pas te faire de mal, s'il te plaît. Et si je te disais que je t'aime ou que je veux être avec toi, ce serait un mensonge. Mais non, tu es juste un peu perdue. Je peux t'aider à mettre les choses au clair. Petra, je suis en train de te dire que je t'aime bien et que je ne veux surtout pas te faire du mal en te mentant. C'est à cause d'elle? C'est à cause de cette Enriqueta dont tu es tombé amoureux?
Je suis inquiet pour la campagne de Mauricio. C'est vrai qu'on a bien commencé avec tout ce qu'on a fait au lycée. Et quand il a défendu Gabriel auprès du maire devant la presse. Mais il est temps pour lui d'aller dans la rue. Il y a un temps pour tout. Il faut qu'il le fasse maintenant. Les électeurs sont dans la rue, pas seulement devant la télévision. Je fais confiance à Mauricio pour ce genre de choses. Au moins que tu sois trop occupé à faire autre chose. Comme, je sais pas, à penser à faire réparer ta voiture. Carlos, Mauricio nous a demandé de mettre les bouchées doubles au magazine, et c'est ce qu'on va tous devoir faire. Pour le reste, Mauricio est un homme intelligent. Il sait comment mener sa campagne, je pense. Je ne sais pas, vu qu'en ce moment... Quoi? Il est tout le temps avec cette fille. Elle n'est pas que photographe, il y a autre chose. Oui, c'est vrai, je crois qu'ils sont amoureux. Ah, si c'est bien le cas et que les gens l'apprennent, Mauricio va devoir vite oublier ses rêves de mairie. Juana, je... J'avais de grands rêves à l'époque où je me suis marié. Mais ils se sont écroulés petit à petit. Mauricio, Carlotta aurait voulu avoir des enfants, elle aussi. Les enfants ne sont pas le seul moyen de faire tenir un mariage. C'est un mélange de beaucoup de choses. Écoute, je croyais que Carlotta me soutiendrait dans tout ce que je faisais. Mais non. Vous pouvez en discuter. On en a déjà parlé. Et tout ce qu'on s'est promis, c'est de ne pas forcer les choses, de faire ce dont on était capable. Juana, nos problèmes ont commencé bien avant qu'on se rencontre, tous les deux. Elle t'aime. Et je l'aime aussi. Mais je ne veux pas être avec elle. Et si c'est pour qu'elle souffre pendant... que je pense à quelqu'un d'autre. Tu trouves ça injuste? Carlotta et moi, on est très différentes. Et pourtant, on est quand même devenus amies. Et toi, tu me dis ça et je ne sais vraiment pas quoi faire. Comment je pourrais la regarder dans les yeux maintenant? Écoute, je sais qu'on n'a pas commencé de façon idéale. Mais les couples ne sont pas tous parfaits, Juana. Les couples? Tu parles de quoi? On n'est pas un couple, Mauricio. Tu es marié, tu es mon patron. Juana, attends. Je sais que je suis allée un peu trop vite avec toi, mais... mais on peut être différent. Je crois que je vais arrêter de te parler, c'est n'importe quoi. D'accord. D'accord, on ne parle plus. On va ralentir. Mais en attendant, il faut qu'on aille au magazine. Ils doivent se demander où on est passé. Je n'irai nulle part avec toi et en plus, je ne pense pas retourner au magazine. Enriqueta n'est pas mieux que moi, tu sais, Manolo. Écoute, c'est pas qu'elle soit mieux ou pire que toi. C'est juste qu'Enriqueta est arrivée dans ma vie. Arrivée dans ta vie? Vous sortez ensemble, tous les deux? Oh, non, c'est pas ça. C'est que... Ah, tu ne comprendrais pas. Explique quand même. Ou tu penses peut-être que je suis trop bête pour comprendre ce que tu as à me dire? Tu crois que je suis incapable de réfléchir? Mais non, pas du tout. C'est juste une question de comment je me sens avec elle, ou même quand je pense à elle. Oh, écoute, tu ne comprendrais vraiment pas. Arrête d'insister. Mais oui, tu fais juste un caprice, comme d'habitude en fait. Je crois que la capricieuse dans l'histoire, c'est toi, Petra. Tu n'auras jamais d'histoire d'amour avec elle. Tu n'es pas à la hauteur. Regarde-toi. Je sais, t'as raison. Et d'ailleurs, je ne te mérite pas non plus. Mais si je devais me battre pour quelqu'un, pour suivre mon instinct et mon cœur, ce serait pour Enriqueta. Petra, écoute. T'aurais pas dû lui parler comme ça. Parfois, c'est la seule solution. Ouais, mais tu pourrais être moins méchant, ce serait mieux. Oui, c'est pas ton problème. Bonjour. C'est ici que vous faites la révision gratuitement? Oui, que puis-je pour vous? Eh bien, je viens par rapport à... Je m'en occupe, t'inquiète. Tu fais quoi, là? Rien, laisse-moi faire. Je vais m'en occuper. Écoute, je t'ai promis que je ne ferai plus la moindre erreur. Et avec ce qui s'est passé, je pense que t'as besoin d'un peu de temps pour toi, pour te reposer, non? Fais-moi confiance. D'accord.
Carlotta, je comprends tout à fait que tu sois en colère. Mais tu dois comprendre qu'il faut réfléchir avant d'agir, c'est pour ton bien. J'en ai marre d'être une victime. Je ne vais pas me laisser faire, je vais évincer Juana une bonne fois pour toutes. Attends, ma chérie, attends. Je sais que ça fait mal de se rendre compte que l'homme qu'on aime ne nous aime pas et de découvrir qu'il s'intéresse à une autre femme, surtout une aussi jeune. Depuis le début, j'ai été gentille et compréhensive. Mais maintenant que je sais que cette autre femme est une gamine des bas quartiers, je vais changer de méthode. Carlotta, je sais que tu penses que tout serait parfait sans Juana et que tu veux qu'elle disparaisse, mais ça ne va pas arriver, donc tu dois te résigner. Non, je ne vais pas me résigner. Carlotta, Carlotta, reviens ici, Carlotta, reviens. Tu es cuite, Carlotta. Maintenant, tu l'as. Si Juana est morte, et toi en prison, je pourrais rester avec Maurice. Ce serait parfait. Bonjour. C'était vraiment parfait. Oh non, ne dis rien, parce que tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi. Il est quelle heure? Je ne sais pas, mon portable est dans la cuisine. On va prendre un petit déj? J'ai faim. Il est hyper tard, Enriqueta va être super énervée. Mon téléphone était en silencieux. S'il s'était passé quelque chose, on le saurait déjà, t'inquiète pas. J'ai plein d'appels manqués de Juana. Tu vas la rappeler? Ouais, c'était presque parfait. Presque. Comment ça, tu ne retournes pas au magazine? Je ne sais pas, j'ai dit n'importe quoi, j'ai regretté dès que je l'ai dit. Alors ne dis plus jamais une chose pareille, Juana. Mauricio, ce travail, c'est le truc le plus important pour moi. Ça m'a fait croire en moi et en la vie, ça m'a donné de l'espoir. Et c'est un bonheur pour nous. Tu as changé notre vie, Juana. Mauricio... Si tu veux que je continue à travailler au magazine, il faut que l'on arrête vite tout ça. Parce que je sais qu'on va avoir des problèmes. D'accord. Je peux t'emmener quand même. Non. On va chacun de notre côté. Tu y vas en voiture et moi en moto. C'est mieux comme ça. Piranha, tu nous fais confiance? Dis-le parce que personne t'a trahi. Ça arrive à tout le monde d'avoir des moments de doute, Kike. Ouais, Piranha, mais on a toujours été honnête avec toi, je te jure. Et vous me l'avez prouvé. Tu le penses vraiment? Ouais. Bien sûr que ouais, Malili. Je suis sûr que tu serais bien incapable de mordre la main de celui qui te nourrit, je me trompe? Tu ne te trompes pas, Piranha. C'est pour ça... que vous devez garder en tête que Piranha pense toujours à ses hommes. J'ai pris une décision. Et qu'est-ce que c'est? Tu penses encore à tuer Madame? Non, non, c'est ce qu'elle pense que je vais faire. Mais je vais pas le faire. Je commence à en avoir marre de ce petit jeu. Donc je vais lui dire que je suis d'accord pour le marché. C'est vrai? Ouais, mais... il y a un petit problème quand même. Je ne sais pas ce qu'on va bien pouvoir dire à nos distributeurs. Eh ben, je sais pas moi, mais si tu acceptes la proposition de l'ombre, je pense qu'ils ont assez de pouvoir pour les convaincre de bien se tenir à carreau, loin de nous. Je crois pas, non. Moi, je préfère quand tout est bien clair, parce que quand tout est bien clair, on peut garder ses amis. Donc je vais aller les voir et je vais leur dire. On t'accompagne? Vous restez ici. Il y a peut-être des clients qui vont passer et pour le coup, gagner un peu d'argent, ça nous ferait pas de mal. Vous deux, par contre, vous allez au garage pour voir comment se portent les affaires là-bas.
faut simplement qu'on ajuste un peu le volant. À mon avis, c'est le seul problème qu'il y a. Une clé, Nicolas. Ouais, tiens, ça va? Tiens. Ouais, merci. On dirait que tout va pour le mieux par ici, non? Quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Ça va, toi? Désolée. Ouais, je viens de voir que tu m'avais appelé plein de fois, tout va bien? Je voulais te parler, mais ce n'est pas grave. Dis-moi ce qu'il y a, Juana. Tu peux me faire confiance, tu sais. C'est bon, tout va bien. David, qu'est-ce qui se passe? Juana, si tu veux que je puisse t'aider, il va falloir me dire ce qu'il y a. Non, je ne peux pas, David, pas au téléphone. Bon, d'accord, alors on se rejoint au bureau, ok? J'y vais tout de suite. Merci, David. C'est sympa de ta part. Je suis là pour toi, Juana. Qu'est-ce qu'il y a? Juana va bien? Je la rejoins au bureau, Jessica. Il y a un autre jeu de clés dans la cuisine. Ferme quand tu pars. Attends, tu rigoles, là? Juana a besoin de moi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Tu vas pas me faire une crise? David, hé! Hey, David! Où est-ce que tu vas, comme ça? Au bureau. Dis-moi ce qui se passe. Mauricio a dit à sa femme qu'on s'était embrassés. Et elle l'a jeté dehors. Il était là en train de m'attendre devant la maison. C'est pas vrai. C'était quand, ça? Quelqu'un d'autre est au courant? Ben, pour l'instant, il n'y a que maman, toi et moi. Et puis David, puisque je l'ai appelé pour en parler. C'est pour ça que j'y vais, là. Juana, David est l'ami de Mauricio. Je sais, il pourra peut-être m'aider, vu qu'il le connaît bien. Enfin bon, on verra bien. Et avec Piranha, alors? Il a accepté le marché? Non, mais je m'en doutais. Il est trop borné pour voir que ce serait bien pour lui. Il faut que tu ailles au magazine, Paco. Ne disparais pas trop longtemps, si tu peux. Avec ce qu'il s'est passé avec David, il faut faire attention. Bon, d'accord. On se tient au courant. Madame? Alors c'est cet homme au doux visage qui essaye de me voler mon travail, c'est ça? Je vais trouver qui tu es, et je vais faire de ta vie un véritable enfer. Le médecin va venir vous voir, il va vous faire une petite dernière visite de contrôle, d'accord? Merci. Et vous? Vous pensez que ça va? Vous êtes en pleine forme. Excusez-moi. Le médecin va arriver tout de suite, ce fut un plaisir, monsieur. Voilà ce que vous m'avez demandé. Et croyez-moi, on a eu des prises vraiment géniales. Je suis désolée. Je ne sais pas si j'ai bien fait de t'appeler, je me sentais vraiment pas bien. C'est toujours le cas, visiblement. David, tu es notre ami à tous les deux. Tu parles de Mauricio? Juana, je t'ai déjà dit que je ne te jugerai pas. Tu peux me dire ce qui se passe, fais-moi confiance, c'est tout. D'accord? Non, David. C'est à moi qu'elle devrait parler. Tu ne penses pas, Juana? Je crois qu'il faut qu'on ait une conversation tête à tête, toi et moi. Carlotta. Carlotta, Juana m'a appelée parce qu'elle a besoin de me parler à moi. Tu peux attendre, David. Pas moi. Tu ne veux pas savoir ce que j'ai à dire, Juana? Franchement, vous auriez même le droit de me tuer, Carlotta. Non, non, au contraire, je veux juste qu'on puisse régler ça entre nous, entre femmes civilisées. David, s'il te plaît, ne fais pas l'enfant, ne va pas cafeter à mon mari que je suis avec Juana. Vous allez aller où? Peu importe. On se connaît depuis des années, toi et moi, pas vrai? Tu crois que je ferais du mal à une femme enceinte? Je ne suis pas folle. Mais non, Carlotta, ce n'est pas ce que je dis. Je veux simplement parler. Te parler loin de ces bureaux où tout le monde nous connaît. Même Mauricio pourrait nous voir. Tu viens avec moi, Juana? Oui. T'inquiète, David. Il va rien se passer. Ce cher Mauricio Vega devant la maison de la petite photographe. Et pourquoi est-ce qu'il trompe votre fille, monsieur?
Oh, on s'en fiche de ça. L'adultère, ça fait partie du mariage, après tout. Monsieur, je vous rappelle que c'est votre fille. Ce n'est rien qu'un dommage collatéral. Et puis, on est comme ça, nous les hommes, facilement tentés, c'est ainsi. Mais seulement dans ce cas précis, on parle de Mauricio Vega, le soi-disant candidat honnête à la mairie. Les gens ne vont pas aimer ça du tout. Imaginez donc le directeur du magazine La Vérité, qui prône son honnêteté à tout va, en train de tromper sa femme avec une jeune fille. Eh bien, c'est sûr que je ne voterai jamais pour un type comme ça, en tout cas, c'est sûr que ça va marcher. Et pour ne rien gâcher, la fille est enceinte. C'est dommage pour ta carrière en politique, mon cher Mauricio. Ta campagne est terminée. D'accord, ça me paraît pas mal à moi. On en reparle. C'est super que tu sois venu. On t'attendait tous, monsieur le candidat. Et Juana? Elle n'est pas là? Juana n'est pas venue. Il te fallait un truc? Non, non, ce n'est pas urgent, David. Mais si tu la vois, dis-lui de venir me voir. D'accord, je le lui dirai. Mauricio, on va continuer à perdre notre temps avec cette photographe ou on fait cette réunion pour parler de ta campagne? Je sais pas, c'est quoi ta priorité? Allez, on y va. C'est parfait. Allez. Oui, alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu connais cet endroit? Non. Pour tout vous dire, je ne connais pas grand-chose de cette partie de la ville. C'est vraiment magnifique. Je venais souvent ici avant, c'est ici que je faisais mon jogging. Je viens encore de temps en temps, mais à l'époque, j'étais à fond dans le sport. Carlotta, je ne comprends pas. Je croyais que vous vouliez m'insulter ou me crier dessus. Tu sais quoi? C'est précisément dans cet endroit qu'un jour, je faisais mon jogging et je suis tombée. Je suis tombée et j'aurais voulu mourir. Ça t'est déjà arrivé que tout le monde te regarde et tout le monde se moque de toi alors que tu essayes de te cacher parce que tu as beaucoup trop honte. Mais si tu as de la chance, tu peux trouver un héros pour venir à ta rescousse et t'aider à te relever. Mauricio. J'ai d'abord vu... J'ai vu sa main, puis j'ai vu son bras, et quand j'ai vu son visage, je n'arrivais pas à y croire parce que... lui, il ne me connaissait pas. Mais moi, je le connaissais parce qu'à cette époque, c'était un journaliste très connu, très polémique. Je l'admirais beaucoup. D'accord, Carlotta. Où vous voulez en venir avec cette histoire? Quand je lui ai dit mon prénom, tu sais... Tu sais ce qu'il a dit? Il avait ce grand sourire qui illuminait son visage et il m'a dit « Carlotta », un prénom germanique qui veut dire « la femme la plus forte et la plus puissante ». C'est comme ça que je me suis sentie depuis. Je pensais que notre amour serait comme ça. Fort, puissant, invincible. J'ai trouvé un slogan de campagne. Avec Mauricio, votez pour la vérité. Ça sonne bien. Oui, ça sonne bien, mais... Franchement, je ne sais pas si ça va me servir, ou plutôt me desservir, de mélanger cette campagne avec mon travail. C'est deux choses qui sont très différentes. D'accord, mais la vérité, c'est ta marque de fabrique. Tu ne peux pas le nier. C'est comme ça que les gens t'identifient. Bon, on va y réfléchir. Alfredo, est-ce que tu sais où on va prendre les photos de campagne? Oui. Mais demande-moi plutôt ce que je peux apporter à cette campagne plus que le lieu des photos. Arrête de tourner autour du pot. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une estimation. Et également une liste de toutes les personnes avec qui on pourrait collaborer. C'est super, mais... je veux que ce soit des gens honnêtes, qu'ils n'espèrent pas avoir des faveurs si je gagne cette élection. Franchement, vous auriez même le droit de me tuer, Carlotta. Non, non, au contraire, je veux juste qu'on puisse régler ça entre nous,
entre femmes civilisées. David, s'il te plaît, ne fais pas l'enfant, ne va pas cafeter à mon mari que je suis avec Juana. Vous allez aller où? Peu importe. On se connaît depuis des années, toi et moi, pas vrai? Tu crois que je ferais du mal à une femme enceinte? Je ne suis pas folle. Mais non, ce n'est pas ce que je dis. Je veux simplement parler, te parler loin de ces bureaux où tout le monde nous connaît. Même Mauricio pourrait nous voir. Tu viens avec moi, Juana? Oui. Ne t'inquiète pas, il ne va rien se passer. J'aurais jamais dû la laisser partir seule. Et Juana? Tu ne devais pas la retrouver au bureau aussi vite que possible? Oui, je l'ai vue à l'entrée il y a quelques minutes. Carlotta est arrivée et elles sont parties. Comment ça? Carlotta, sachez que je ne suis pas fière de ce qui s'est passé avec Mauricio. C'était un vrai coup de foudre, tu imagines? Je n'y croyais pas avant que ça m'arrive. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée et je ne sais pas quoi dire. Mauricio et moi, on a fini par être inséparables. On venait toujours ici pour courir et il faisait exprès de tomber. Pour me faire rire et pour me rappeler la première fois qu'on s'était rencontrés. C'était mignon. On était tellement amoureux, on riait, on s'embrassait. On se roulait dans l'herbe sans se soucier de ce que les gens pensaient. On s'en va? Je sais pourquoi vous me racontez tout ça, mais ce n'est pas la peine. Je sais que vous aimez Mauricio et je sais que vous souffrez, je le sais. Non, Juana. Tu ne sais pas. Parce que cette rencontre inattendue avec cet homme, c'est ma raison de vivre. C'est ma seule raison de vivre. Ton père peut déjà sortir de l'hôpital. Ah bon? Quel dommage. J'y vais, je vais aller le chercher. Tu es sûre qu'il n'y a pas moyen de le laisser là-bas pour nous faire des vacances, non? Umberto, sois gentil, s'il te plaît. Je ne suis pas heureuse, mais au moins, j'essaie de faire bonne figure. Prends exemple sur moi. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Mauricio, mais je me suis proposé pour te remplacer au magazine pendant que tu fais le tour de la ville. C'est le meilleur moyen de te faire aimer. Rendre visite aux gens chez eux. Comme ça, les électeurs te connaîtront et toi, tu pourras savoir ce qu'ils veulent. Je ne pense pas que ça marche, ça. Une campagne basée sur le bouche-à-oreille n'aura jamais le même impact que la campagne du maire à la radio ou sur toutes les chaînes de télé. On n'a pas le choix, Alfredo. Les médias accorderont plus de temps au maire qu'à nous. Pas vrai, Mauricio? Non, Mauricio, non. Je croyais que ça me rendrait heureuse, mais en fait, j'ai l'impression d'être la pire femme du monde. Pourquoi? Je suis simplement honnête avec toi, Juana. Je voulais te montrer que j'étais très sérieux. Oh, non, je n'ai jamais voulu qu'un mariage soit brisé par ma faute. J'ai toujours pensé que les mariages duraient toute la vie. Mais regarde-moi. Mauricio? Mauricio? Tu n'écoutes rien de ce qu'on te dit, j'ai l'impression. Tu penses à quoi ou à qui pour être ailleurs comme ça? Carlotta, j'ai envie de partir. Cette maison appartenait au père de Mauricio. Qu'est-ce qu'il y a, Juana? N'aie pas peur. Je t'ai dit que je ne te ferai pas de mal, je ne suis pas folle. Carlotta, franchement, je préférerais partir d'ici. Parce qu'aujourd'hui, je suis allé au centre et j'ai senti que c'était le moment pour Juana et moi de clarifier ce qui se passait. Et tu n'as pas senti? Tu devrais clarifier les choses avec moi.
Écoute, je commence à ressentir des choses pour Juana. Je ne voulais pas l'admettre. Je n'étais pas sûr de ce que je ressentais pour elle. Donc j'ai voulu voir ça avec Juana et je l'ai emmenée dans l'ancienne maison de mon père. Mauricio, tu es allé là-bas seule avec cette fille et tu penses que je vais croire qu'il ne s'est rien passé? Je te le jure. Et je te le jurerai encore et encore, Carlota. Je te jure sur tout ce que j'ai que moi et Juana n'avons jamais fait l'amour. Jamais. Tu sais, Juana, j'ai vu beaucoup d'endroits magnifiques. Mais jamais autant qu'ici. C'est ici que Mauricio et moi, on s'est embrassés pour la première fois. Mauricio m'a dit que c'était son petit paradis et qu'il était plein de souvenirs, de sa famille qu'il a perdue. J'étais flattée qu'il m'emmène ici parce qu'il me montrait son jardin secret. On a pleuré, on s'est pris dans les bras et puis on s'est embrassé. On s'est embrassé avec tellement de passion, tellement d'amour.